Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc une nouvelle fois, c'est dans ce milieu forestier que je vous retrouve et je vous emmène aujourd'hui dans l'un des endroits les plus fameux pour pouvoir observer les lichens. Vous avez été très nombreux à réagir quand j'ai parlé des champignons et notamment sur l'amadouvier. Vous avez été très intéressés par le petit exposé entre guillemets crochet parenthèse que je vous avais fait concernant donc ce champignon assez fantastique. Et vous m'avez demandé de vous présenter, pourquoi pas, d'autres particularités forestières qu'on pouvait trouver dans différentes forêts. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse grandement et qui me plaît à partager avec vous, j'avais aujourd'hui envie de vous parler donc des lichens. Donc ces plantes, alors ce ne sont pas des plantes en fait, pour être très précis, ce sont des thalles. Et alors qu'est-ce que c'est? En fait ce sont des micro-organismes qui sont très particuliers, qui ont une symbiose avec un autre organisme. Donc en fait il y a deux organismes qui sont en symbiose totale et qui proposent donc le lichen. Alors les lichens, il y en a 20 000 espèces qui ont été répertoriées sur la planète et on en découvre chaque année une centaine de nouvelles espèces. On estime à peu près entre 8 et 16 000 le nombre d'espèces qui restent encore à découvrir. Donc c'est extrêmement intéressant au niveau biologie, au niveau on va dire faune et flore, même si c'est pas ça comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait le lichen peut être comparé, en tout cas on va dire étymologiquement parlant, ce sont des algues. Alors ça peut paraître curieux parce que on a l'habitude de penser aux algues qui sont en milieu marin, mais c'est le cas également concernant donc les thalles.
Donc ces fameuses plaques, on voit bien, qui tirent entre le blanc et le vert, qui sont complètement blancs d'ailleurs en plein été lorsqu'il fait extrêmement chaud et qui sont vraiment verts. Donc il y en a quelques exemplaires ici que je vais vous montrer après, lorsqu'ils sont véritablement chargés en eau. Ce sont des organismes extrêmement fragiles. J'attire votre attention sur ce point-là, parce que si vous avez l'occasion d'en découvrir, je parle principalement donc d'étals, hein, qu'on voit ici. Si vous avez l'occasion d'en découvrir, faites extrêmement attention quand vous marchez. Ne marchez pas dessus, parce qu'en fait, ça va mettre énormément de temps avant de se régénérer. Parce que c'est une croissance extrêmement lente. Mais c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça comporte un ensemble, ça propose un écosystème complet, avec des insectes, des bactéries, etc. Donc il y a plein de choses qui tournent autour de tout ça, et qui donc apportent cet intérêt particulièrement dans la forêt. Alors il faut savoir que les thals sont la nourriture principale des rennes, notamment en Scandinavie. Donc ça pose moins de problèmes, parce qu'en fait là-bas, voilà, ce sont des forêts entières, et le temps que les thals se régénèrent, en fait, eh bien, en fait, les rennes, comme ça se régénère assez rapidement, par contre là-bas, sous ces latitudes, en fait, le temps que les rennes paissent de parcelle en parcelle, quand ils reviennent, les thals ont repoussé. Donc en fait, il y a un système, on va dire, de recyclage, on va dire, biologique qui se fait, d'autant qu'en plus, avec les excréments des rennes, eh bien, ça propose de l'humus, et puis ça permet justement aux thals de pouvoir s'alimenter. Donc en fait, c'est même une symbiose entre, on va dire, la plante, hein, même si une nouvelle fois c'est pas ça, et l'animal. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc les lichens couvrent la quasi-totalité de la planète, à l'exception faite, et je reviens sur ce point, en faisant également, on va dire, un petit peu le synchronisme de la dernière vidéo concernant donc les amadousiers. Donc les lichens peuplent la totalité de la planète, à l'exception du pôle Nord. Alors j'avais précisé d'ailleurs concernant donc l'amadouvier et les champignons en particulier qu'ils peuplaient la totalité de la planète hormis le pôle Nord et le pôle Sud. C'est pas tout à fait vrai, enfin en tout cas au niveau de l'extrême Sud, mais bien sûr on va dire sur la couronne principale autour du pôle Sud, comme il y a de la terre, il y a des lichens, il y a des champignons également. Donc les champignons et les lichens, on peut en trouver malgré tout au pôle Sud, mais pas au pôle Nord, puisqu'en fait c'est exclusivement de la glace. Donc il n'y a absolument rien qui permet aux champignons et aux lichens de pouvoir s'y fixer. Donc les lichens, c'est un univers extrêmement intéressant. Si vous avez envie de vous pencher là-dessus, c'est pratiquement sans fin en fait. C'est absolument impressionnant. On en trouve partout, vous le connaissez, sur les pierres. On en trouve, bien sûr, on trouve des lichens marins. On trouve des lichens sur les toitures, sur les maisons, on en trouve sur les arbres de différentes variétés, différentes espèces. Leur dimension varie de quelques microns à plusieurs mètres de long, comme ce qu'on appelle vulgairement les lichens chevelus, comme l'une des espèces que je vous ai présentées qui était sur un arbre, là, qui ressemble à des cheveux d'ailleurs. Et donc ça, c'est l'espèce la plus grande, puisqu'elle peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Alors pas ici en France, pas sous nos latitudes, mais plus au sud, notamment en Amérique, également en Amérique du Nord, on en trouve. Donc il y en a partout, différentes espèces, c'est super intéressant. Il faut s'y pencher, il faut regarder, on en trouve bien sûr sur les branches, et sur un mètre carré, on peut trouver différentes espèces. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors comme je n'aime pas, et vous le savez, dégrader volontairement la nature, je vais reprendre l'objectif, l'appareil photo, je vais me mettre derrière l'objectif, pour vous montrer un petit peu tout ça, puis vous en parler, en espérant que ça vous intéressera. Je vais pas trop m'attarder, bien sûr, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était aussi une manière de faire l'introduction. Comme vous le savez, j'aime bien vous présenter un petit peu l'environnement dans lequel j'évolue, et par rebond, certaines choses, certaines espèces qui sont dignes d'intérêt. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà différentes espèces. Donc ici c'est du lichen également. Vous voyez que ça n'a pas du tout la même texture, la même chose, c'est pas du tout la même définition. Donc le thal qui est ici, il faut faire extrêmement attention quand on marche. Voilà, je vais me déplacer ici pour vous montrer ce que ça représente. Alors c'est un micro, on peut dire, univers à lui tout seul.
Alors la particularité de cette espèce, alors il y a plusieurs variantes de cette espèce-là. On ne va pas rentrer dans les détails, il en existe une multitude. Donc la plus commune qui est ici, hein, qu'on trouve en France. Et comme on peut le voir, c'est extrêmement délicat. Donc c'est une particularité, c'est que comme nous sommes en automne et on approche de l'hiver, il y a beaucoup d'humidité, donc c'est très très souple. On peut se permettre de caresser. D'ailleurs c'est intéressant hein, de toucher. Voilà, c'est extrêmement doux. Et par contre l'été, c'est extrêmement cassant, comme du verre. Donc il faut y faire très attention, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si on a le malheur de marcher là-dessus, après ça va être complètement détruit et ça va mettre beaucoup de temps avant de se régénérer. Donc il faudra faire extrêmement attention, il faudra être quand même très très prudent par rapport à ça. Alors on en trouve d'autres espèces, comme ici par exemple. Voilà, ça c'est encore une autre espèce, c'est pas du tout la même. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc on en trouve sur les arbres bien sûr. Donc tous les arbres en sont pourvus. Alors c'est un peu moins vrai sur les pins, parce que c'est dû à la sève des pins qui est un petit peu compliquée, mais on en trouve quand même sur les écorces. Bon, je vous emmène voir parce que je résiste pas. Hein. Voilà, c'est le but aussi de la vidéo. Donc voilà, par exemple, ça c'est une autre espèce. On peut voir ici. Voilà. Il y en a encore là. Voilà. Encore une autre espèce ici, qui n'est pas la même. Alors on peut le voir, c'est extrêmement délicat. Alors je résiste pas à vous montrer ça parce que, bon, on en avait parlé avec les champignons, je sais que vous avez été nombreux à me poser la question de vous proposer ça en vidéo et de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà un petit peu les espèces, donc faire très attention aux marches. Et du coup on peut en trouver un peu partout, il suffit de regarder en fait, faut être curieux. Alors c'est toujours le même principe en fait quand on va dans la nature, il faut être absolument curieux si on veut découvrir des choses intéressantes. Alors en sachant que la base est un peu blanche voire violette par certains côtés. Voilà. Alors là c'était partiellement arraché, donc on peut voir les tiges un petit peu. Donc c'est super chouette en fait, quand on regarde ça de près, ça fait un paysage, on a l'impression d'être dans un autre univers, celui de l'infiniment petit bien sûr. Alors quand ça commence à se développer, c'est extrêmement fin. Bien, on se retrouve pour le sujet principal de la vidéo, donc à savoir ce couteau. Alors c'est pas vraiment un couteau, c'est pas vraiment une hachette, ça porte normalement le nom d'une feuille de boucher, donc c'est une mini feuille de boucher on va dire, puisque son nom exact c'est le Marbles Mini Cleaver, modèle MR560. Donc c'est un modèle que je possède depuis un peu plus de 6 mois maintenant et que j'ai donc pu largement tester. Alors j'en avais pas fait de présentation encore parce que j'attendais vraiment d'être au fond du problème, et puis finalement après un peu plus de 6 mois je pense que je peux maintenant vous en parler pleinement, parce que bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ceci étant, bon, je vais quand même vous faire la revue et puis bien sûr un retour d'utilisateur. Et juste avant, je voulais faire un petit clin d'œil à mon ami Fred, André, qui voudra bien comprendre pourquoi je lui fais ce clin d'œil. Tout simplement parce que lui, il possède la mini hachette. Et lors d'une petite vidéo que je vous invite à aller voir, je vais d'ailleurs vous laisser le lien de sa chaîne à Fred pour que vous puissiez aller voir son travail. Il fait des choses intéressantes, notamment sur des opinels, puisque c'est son couteau principal. C'est un aficionados d'opinels. Donc opinel est à Fred ce que finalement le Victorinox est à d'autres. Et lors de sa présentation d'une petite vidéo pour la sculpture avec donc ses outils, il avait présenté donc une mini hachette de chez Marbles, et je l'avais trouvé superbe. Et en fait à l'époque moi j'avais acheté ce modèle là, mais il n'est pas dit que je me retranche pas sur sa mini hachette, parce que je la trouve vraiment très sympa en brut de forge, et c'est surtout qu'elle est extrêmement abordable puisqu'elle vaut à peu près entre 15 et 16 euros, donc c'est vraiment c'est assez ridicule, et en plus elle est vraiment intéressante. Alors Marbles a pour but de proposer des objets tranchants, des objets coupants qui sont extrêmement sobres, extrêmement bon marché, des hachettes, des machettes, bref tout un tas d'éléments qui sont pas forcément d'ailleurs,
on va dire, physiquement très très avenant, très très sympa. Et donc celui-là, je l'avais trouvé assez sympa, assez joli. Et c'est surtout que je l'ai pris, je vais vous expliquer après pourquoi, mais je vais d'abord vous faire la revue. Donc c'est un modèle qui fait 18 cm de long, avec un tranchant de 8 cm complet pour 4 mm d'épaisseur, donc c'est quand même très très épais. Cette forme caractéristique qui remonte avec le trou ici, puisque c'est issu de la tradition des feuilles de boucher, donc normalement c'est fait pour être suspendu au-dessus de l'étal. Je vais attendre que l'avion passe parce que il fait très beau aujourd'hui, donc je pense que les amateurs d'aviation s'en donnent à cœur joie et c'est tant mieux pour eux. Acier 440. Alors 440, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Marble est assez assez discret sur son acier. Je sais que c'est du 440. Alors est-ce que c'est du A? Est-ce que c'est du 440C? Je ne sais pas. Mais on va y revenir après, de toute façon, dans le principe même de la coupe. Les visseries sont en inox, étoilées. Et puis les plaquettes sont en G10, texturées. Donc voilà à peu près ce que ça représente. Alors au niveau de la définition, voilà sur quoi on est. On est avec des inserts rouges. Alors il y a du jimping à l'arrière ici. Il y a du jimping également ici. Donc entendez par là repousse-pousse. Et puis ce finger shawl extrêmement grand hein, qui est fait pour mettre donc le doigt. Mais bon, enfin voilà, c'est limite surdimensionné avec un principe de garde. Donc ce qui va éviter d'aller dans le vif du sujet, comme on dit. Alors on peut voir hein, ça vraiment, c'est typiquement la forme d'une feuille de boucher, puisqu'en fait ça part assez épais, puis ça s'affine, et puis cette courbure. Alors comme on pourra le remarquer, il y a ce que je trouve pas mal, c'est la définition, parce qu'en fait on est sur un stonewash, pardon, je vais pas dire microbillage parce que c'est pas vrai, c'est du stonewash, donc stonewash sur cette première partie, ce qui lui confère un aspect beaucoup plus doux, beaucoup plus glissant, voilà. Et puis sur le dessus, par contre, ça reste brut. Donc stonewash partout, hein, y compris sur le ici et sur l'intérieur, mais pas et puis également sur l'extrémité, mais pas ici. Hein. Alors de l'autre côté, il y a cette définition. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose pour évacuer le sang, contrairement aux idées reçues. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient des trucs comme ça sur les couteaux, ils disent que c'est pour évacuer le sang, c'est pas vrai. Enfin, sur ce principe-là, de toute façon, c'est juste en fait, quand on tranche, ça permet d'emprisonner de l'air et ça augmente en fait la découpe. Ça permet justement de faire un principe de découpe. Comme ça fait une petite poche d'air en fait, donc ça permet d'ouvrir plus facilement. Voilà donc en fait pour la définition du truc en question. Alors c'est livré avec un étui. Alors tout ce qui applique de basique hein, chez Marbles, voilà, c'est, je dis pas que c'est zéro, mais pas loin quand même. Donc c'est, y a une espèce de membrane plastique à l'intérieur, c'est recouvert de nylon, il y a des rivets, bon, un petit système qui permet de fixer le haut du cleaver, donc avec un bouton pression, donc voilà. Alors normalement c'est plat, moi je l'ai recourbé parce que je trouvais que c'était plus sympa. Et puis bien sûr c'est un passant pour mettre sur une ceinture ou un ceinturon. C'est pas du tout comme ça que je le transporte, hein, je le mets dans le sac. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi je l'ai pris et ce que j'en pense. Alors bien sûr, pour finir, c'est fabriqué en Chine. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est mentionné d'ailleurs sur la lame ici. Voilà, c'est fabriqué en Chine. Donc c'est le modèle et puis la lame. Donc fabriqué en Chine. Donc je vous montre la définition. Alors, ça vous permet de voir donc le stonewash et puis le côté brut acier sur le dessus. Donc je trouve que la définition est quand même, c'est plutôt pas mal fait, surtout pour le prix, et je vais vous en parler juste après en retour d'utilisateur. Voilà ce que ça représente. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que j'avais envie d'économiser la lame de mon couteau de façon à faire des petites bûchettes quand je mets ça dans mon réchaud à bois. Tout simplement pour éviter, parce que parfois le pain... ou d'autres, hein, bois sont extrêmement durs, ce qui est le cas pour celui-là hein, par exemple, c'est vraiment très très dur, donc pour économiser, puis en plus parfois il peut y avoir des nœuds, donc pour économiser en fait la lame du couteau, je souhaitais quelque chose qui puisse, on va dire, trancher dans le vif, mais qui soit pas encombrant, pas une hachette, parce que j'en ai déjà une, la X5, mais elle est dans mon gros sac Condor, et donc dans mon petit sac là, à la journée, je voulais quelque chose qui puisse être... facile à transporter et pas très très lourd. Alors je me rappelle plus du poids, j'ai oublié de le noter, mais bon, je vous laisserai le lien pour que vous puissiez aller voir. Je me rappelle pas si c'est marqué d'ailleurs au niveau du poids, mais
Bon, c'est quand même assez, assez conséquent, c'est assez lourd. Donc en fait, ça c'est parfait pour trancher les petites bûchettes. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que forcément, hein, cette forme-là permet d'être très efficace, hein, quand même. Donc ça rentre assez vivement dans le sujet. Hein. Donc franchement, il n'y a pas de souci. Et puis au niveau de la dimension, 8 cm, ça suffit. Hein. Voilà. Voilà, ça tranche très très bien. Et puis du coup, on obtient des tranches, alors pas forcément nettes, hein, bien sûr, mais puis ça dépend du bois. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que malgré tout, le tranchant est vraiment limite rasoir quand même. Hein. Donc ça s'affûte très bien. Alors je sais pas, est-ce que c'est du 440C ou du 440A, j'en sais rien, mais ça tranche très très bien quand même. Vraiment, c'est super efficace, hein, on peut le voir. Hein. Ça fait des copeaux qui sont sympas. Donc du coup, ça fait presque double emploi en fait. Ça fait à la fois pour couper les petites bûchettes et puis préparer son petit départ de feu là, quand on veut ranger ça dans le réchaud après pour le départ de feu. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le reste, bon bah c'est pas un couteau, hein. Il faut quand même pas l'oublier. Alors la pointe est quand même ici, c'est quand même très acéré. Hein. Faut faire attention. Et alors, je trouve que franchement, c'est pour le prix, c'est pas mal. Alors par contre, les plaquettes, je vais vous montrer, les plaquettes ne vont pas complètement. Voilà, les plaquettes ne sont pas, on voit bien ici, hein, il y a le débord, voilà, de l'acier. Donc les plaquettes, y compris là, hein, sur le bord, elles ne recouvrent pas la totalité du couteau. Voilà, il y a un débord, mais sur le dessus, c'est encore plus flagrant d'ailleurs, parce qu'il y a quand même du débord. Ce qui veut dire que quand on tient ça en main, au bout d'un moment, ça fait grandement mal au. Enfin, c'est limite douloureux. Tiens, je me suis coupé tout à l'heure. J'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. Ça arrive. Donc en fait, c'est assez douloureux ici. Voilà, c'est assez douloureux. Au bout d'un moment, on a tendance à. Voilà, ça fait un petit peu mal. C'est pas top top quoi. Surtout qu'en plus, les plaquettes sont saillantes hein, ici. Et malgré le fait qu'elles soient texturées, mais justement. Quand on met le doigt, on sent très très bien les plaquettes ici, là, notamment sur l'intérieur. Donc ça peut être un petit peu douloureux. C'est pas ce qu'il y a de mieux ici, là, sur les bords. Donc voilà, au niveau du confort. Pour le reste, c'est un couteau qui coupe très très bien. C'est relativement bien équilibré, hein, comme on peut le voir. Donc au niveau de la dextérité, c'est quand même pas trop mal. Alors pour peu qu'on joigne, le manche n'est pas très grand. Alors je mets toujours en référence mes mains, je fais du 8,5. Donc vous voyez le doigt, on va dire 4 doigts, 3,5 quoi. Et là j'ai des petites mains quand même. Donc ce qui veut dire que pour les mains plus grandes, ça va être un petit peu juste. Du coup on peut rajouter la dragonne à l'extrémité. Et ça va permettre donc de, voilà, de donner un peu plus de définition de manière à bien sécuriser l'ensemble. Donc comme ça le couteau est bien dans le creux ici de la main, mais on voit bien. Hein. Et du coup, on le tient très très bien. Alors, je répète, je dis couteau, mais c'est pas un couteau. Voilà, c'est un mix entre une mini hachette et puis une feuille de boucher là. Mais du coup, si jamais on veut faire des coupes à la volée comme ça, avec la sécurité de la petite dragonne derrière, bon bah ça peut être pas mal quoi. Quand on veut vraiment, voilà, trancher dans le vif. Voilà ce que j'en pense. Alors, c'est pas mal. Disons que en ce qui me concerne, moi, ça me suffit pour ce que j'ai à en faire. Ça me pose pas de problème, ça me suffit. Après, quand on le regarde comme ça, on se dit c'est pas trop ce qu'a l'habitude de proposer Marbulch. Hein. Il propose des trucs qui sont beaucoup moins bien définis que ça. Maintenant, pour le prix, on est sur moins de 30 euros. Bon, vu l'engin, moi je dis que c'est pas exagéré. Voilà, c'est pas exagéré. On en a pour son argent, quoi. Donc après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours la même chose. Hein. D'ailleurs, dans les objets tranchants, hein, c'est assez subjectif. Moi, je trouve qu'il a une belle gueule. Il n'est pas si mal que ça, il n'est pas si mal réalisé que ça. Les plaquettes sont bien faites. Alors, hormis l'histoire que je trouve saillant ici, là, c'est assez inconfortable. Bon, il y a moyen de régler le problème, puisque comme c'est du G10, on peut le poncer. Hein. Moi, je ne l'avais pas fait parce que je voulais le laisser tel quel pour pouvoir vous le montrer. Mais bon, il y a moyen d'arrondir un peu les côtés saillants là, surtout ici là. Là je pense qu'il faut vraiment le faire parce que c'est franchement c'est désagréable. Je pense notamment aux gens qui vont avoir des grosses mains.
ça risque d'être un petit peu, enfin franchement désagréable. Moi ça va encore, mais je pense qu'avec des mains plus grandes, ça va être compliqué. Donc voilà, un compromis relativement intéressant qui permet de, bah, d'emmener quelque chose de, qui va pouvoir économiser la lame du couteau, pouvoir trancher des bouts de bois pour se faire se préparer un petit feu dans le réchaud, bricoler, etc. et éventuellement attaquer en force sur des trucs. Alors à noter que c'est quand même utile, ça, vu la forme, hein, ça se prête très bien au niveau alimentaire. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ça, mais bon, vous vous en doutez. Donc le fait que le tranchant soit quand même assez fin, hein, on voit bien le tranchant est quand même très fin, et puis ça s'élargit. Donc en fait, pour la coupe de légumes par exemple, c'est plutôt pas mal. J'ai tranché des oignons avec, c'est extrêmement efficace également. Le tranchant, ça s'affûte très très bien. Alors encore une fois, je ne sais pas ce que c'est comme acier, mais ça s'affûte bien. Moi, j'ai pas eu de problème, on le voit bien, hein. Il n'y a rien du tout, et pourtant il a coupé quand même beaucoup de bois. J'ai tapé dans de l'alimentaire, etc. Et pff, enfin voilà, le tranchant est nickel, quoi. Donc si jamais quelqu'un a la formation, moi j'ai pas réussi à la trouver. Alors c'est quelque chose qui n'avait jamais été montré encore en français, donc je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait peut-être en intéresser certains d'entre vous. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur ce modèle un petit peu atypique vous aura plu. Je vais vous laisser en compagnie donc de quelques vidéos qui ont demandé un petit peu de travail quand même et de patience notamment, avec quelques animaux et quelques oiseaux qui sont parfois un petit peu compliqués à attraper comme on dit. Et puis accompagné d'un chant a cappella fort à propos pour cette période d'automne par l'Octarium Orchestra qui s'appelle If He Love You. Qui est en fait un chant a cappella à caractère un petit peu, alors pas religieux mais solennel. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout en cette période d'automne, avec cette quiétude. Donc je vais vous laisser avec ça, c'est un petit peu atypique, c'est quelque chose que je n'avais pas encore l'habitude de vous proposer. Donc je ne suis pas sûr que ça plaira à tout le monde, mais c'est pas... bon voilà, c'est comme ça. Et puis si vous aimez ce genre de choses, à la fin de la vidéo, dans les encarts, là, il va y avoir un encart qui va apparaître concernant donc un concert de la sublime Patricia Yunechkova, que je vous invite à aller voir, cette cantatrice à la voix absolument somptueuse, et le physique n'en est pas moins d'ailleurs avenant. Donc pour le plaisir des yeux et des oreilles, je vous invite à regarder ça, si toutefois vous aimez ce genre de prestations. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien, et bien sûr, carpe diem. Salut.